Et de retour sur Don't Starve avec Monsieur Wimpy. Toujours présent. Il est toujours là. Attends, je vais manger des fleurs pour me remettre un peu de santé. Hop là. La phrase, bien Ah, sûr. la phrase, bien sûr, la phrase. Bien sûr. Attention, attention, je lance ça tout de suite. Pendant que je donne à manger à ce pauvre cochon. On était vraiment des génies quand on a fait ça. Oh mec, il abuse le cochon. Alors, Oh mec, le cochon il mange plein de pétales pour une seule merde, j'ai l'impression. Ouais, oh, il cette phrase exagère. qui est sur moi, je sais pas ce qu'il a le logiciel contre moi à ce moment, mais c'est. Juste avant son cours, Tips Wimpy bat à la ceinture son neveu de 7 ans très paisiblement. Disons qu'on apprend des choses. Ah, c'est énorme, genre, j'ai donné plein de pétales à manger au cochon, et genre, du coup, il marche et en même temps il chie. Et genre, il s'arrête plus. Pas mal, pas mal. Ouais, du coup, j'ai un poisson, je vais pouvoir faire les. Tu sais, la petite recette dont j'ai le secret là, Allez, qui te remet la moitié de ta barre de vie. le maître des bâtonnets de poisson. Eh ben oui, bien sûr, j'arrive. Et du coup, faut. Ah, bah, du coup, on va pouvoir faire une canne à pêche avec ce que j'ai trouvé. Du coup, je suis allé à la chasse au lapin, moi. J'ai fait mal de meatball avec ce que j'avais trouvé. Là, par contre, l'hiver il avance. Hein. Enfin, l'hiver il approche, je veux dire. Winter is coming. Cette référence. Ouais, du coup, faudrait améliorer un peu la base encore. Hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Des barrières? Ça sert à rien. Non, bah des fermes, des buissons, etc. quoi. Ah, des buissons à baies, ouais. T'as raison. Ça serait d'aller les buissons à baies. Attends, je pose tout ce que j'ai trouvé. Santé mentale. Eh, regarde mon arme, regarde mon arme. Si ça, c'est pas trop swag. T'as fait ça avec quoi? Bah, c'est la tentacule. C'est ça? Ouais, c'est trop fort. Attendez, je vais regarder sur internet rapidement. Mec, sois pas jaloux. Alors, attends. Est-ce que j'ai un légume? Non, j'ai pas de légumes. Mec, par contre, faudrait prendre un peu des champignons, hein, parce que là. Il en manque de vegetables. Ouais. Putain, mais c'est un génie cet enfant. Oh là là, magnifique, magnifique. On va planter 3 arbres ici. Ok. J'ai pas mal de viande si tu veux faire des meatballs. Bah non, on en manque. Ah non, quoi qu'on a pas mal de végétal. Ah bah pourquoi pas, écoute. Tiens, T'as déjà 5, je crois. je te mets pas Mets-moi mal tout. de viande. J'ai tout mis dans le frigo. Ok. Et avec ça, on va pouvoir faire la cage de l'oiseau. Ça, c'est magnifique. Alors. Il nous Ah, t'es faut déjà en train deux de faire un truc? papyrus. T'as Ouais. lancé un truc? Ouais, les fameux bâtonnets de poisson du chef. J'ai pas mal de fleurs qu'il faudrait donner. Par contre, je veux bien les manger, les bâtonnets de poisson, parce que j'ai perdu toutes mes vies. Regardez un petit peu ma barre de vie, vous êtes prêts? Boum. OMG. Ça met plutôt bien. Ah mec, t'as pas replanté de trucs? Non, excuse, j'ai oublié. Alors, la cage à oiseaux, il me faut de l'or. Un L'or, on oiseau, s'en bat des les poissons. couilles, on a trop de billets. On va la faire là, la cage à oiseaux. La cage à oiseaux. Je veux bien une meatballs après, s'il te plaît. Bah écoute, une petite seconde et je te passionne. Du coup, le piège à oiseaux, on va le mettre là et on va attendre qu'ils viennent. Pour les appâter, on va mettre une petite truc dedans. Un petit bait, comme ils disent. Chef cuistot. Qu'est-ce qu'on ferait sans les meatballs de Wampi? Et voilà, du coup, on a un petit oiseau dans notre piège. Et on va pouvoir le mettre là-dedans. Et voilà. Magnifique. Du coup, notre oiseau, il va faire des petits œufs. Et on va pouvoir faire 10 petits plats avec. Too much gold, quoi. On va ranger ça. Moi, je me ferais bien une canne à pêche. Après, il y a des trucs plus utiles à faire avec la. La Avec toile. les. Ouais, mais bon. Tu vois, c'est un peu du luxe. J'ai envie de me faire plaisir. Let's go. Allez, gamin. Ah merde, 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 merde. Viens. J'ai de quoi faire. Ouais, et puis en plus, si on n'a plus de vie, tu vois, je ferai des bâtonnets de poisson, ça nous mettra bien. Là, pour l'instant, je vais refaire des fermes.
à part On à a faire. pas de folie, on est vraiment bien. Franchement, on est bien pour l'instant. Genre, normalement, pas de problème niveau folie. Ouais. Alors, on commence à avoir un peu d'expérience dans le jeu. À force, ouais. Hop, j'ai fait des en tout cas, j'espère que ces vidéos, ça vous donne envie de jouer au jeu. Le mec, c'est qu'il y a 7000 balles sans rab. Ah putain, on est bien. C'est vraiment intéressant comme... Oh merde, la glace que j'ai pété au début, elle a... Elle a... Non, au contraire. Elle a réveillé. Ouais. Elle respawn la glace, je pense pas. Par du contre, coup, c'est vrai vraiment un hiver. Hein. Et ta balsonne, elles sont quoi? Elles sont... Elles perdent, genre elles sont à 75%. Les quoi? Les thermalsonnes. Ah bah oui. Attends. Bah non, c'est quand t'es... Bah... Ah merde, mais c'est parce que le coffre est à côté du feu. Ah merde. Ah, t'aurais pas dû les fabriquer aussitôt. Hein. C'est pas grave, on prend un coffre, on le décale. Je dois avoir du bois. Ouais, j'ai tout tracé, faut voir. Est-ce que je peux faire une nouvelle... est-ce que t'as un peu d'herbe, s'il te plaît? Enfin, une autre ferme. Comment tu me l'as demandé? Wesh, t'as un peu d'herbe, frère. Asimir. Hop là. Faut savoir aussi que quand vous fabriquez des prototypes, donc quand c'est la première fois que vous fabriquez un objet, votre santé mentale, elle remonte beaucoup. Donc ça peut être utile. En fait, c'est bien de découvrir des choses dans le jeu. Hop là. Oh là, je vais cuire des arbres. Franchement, on est trop bien, frère. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a tellement de trucs, je sais même pas quoi faire. Ah si, on va faire des étendoirs à viande. Et un deuxième croque-pot. Un deuxième croque-pot, ça mettrait bien. Ouais. Bah, écoute, est-ce que tu peux aller chercher le charbon? Ah, la flemme. Ah, allez. Je peux pas engager quelqu'un pour chercher du charbon. Pour le bien de l'humanité. Ah, il a craché du savon, mon mec. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Par contre, ça m'inquiète, les abeilles, elles produisent pas de miel. Comment ça se fait? Je sais pas, on leur a donné un truc à manger. Non, d'habitude, ça se fait tout seul. Ah, je vais faire un petit rasoir. Donc le rasoir... Bah... Attends, on s'en fout, c'est bien quand on en voit une barre. Ouais, mais c'est pas pour moi, c'est pour les buffalos. Pour raser les buffalos. Et quand on se rase aussi, ça nous remonte notre santé mentale. Mec, je suis à 200 de santé mentale. Le gloomer, ils mettent tellement. Je suis à 160 personnes. Je crois que j'ai vraiment été aussi bien. Eh mec, pour l'étendoir à viande... Ah, il faut du charbon aussi. Hein. Bah tu sais quoi, je vais me charger du charbon. Du coup, on est à l'épisode 4. Ah ouais, déjà. Ah, tu sais quoi, je vais faire de la merde. Parce que je commence à avoir une pétale qui commence à périmer. De la miyajda. Et donc il faut savoir qu'en hiver, les fermes ne produisent plus de nourriture et les buissons, etc., ils produisent plus de nourriture. C'est ça la difficulté principale en fait. Alors vous avez plus rien à bouffer, et c'est ça qui est très dur. Et il faut savoir qu'en été, ça produit plus, je crois, genre ça produit plus vite, mais ça crame, genre de temps en temps, sans prévenir, ça se met à cramer. Donc c'est tout aussi chaud l'un que l'autre. Après, je pense qu'honnêtement, l'hiver, c'est plus dur que l'été. Genre, j'ai déjà passé un été entier, tu vois. Et si tu te mets un glaçon sur la tête, franchement, ça passe. Alors que l'hiver, t'as beau mettre une doudoune, un chapeau, une thermal stone, tu peux toujours crever de froid. Et en plus, t'as rien à manger. Donc, Oula, si on se tape en hiver... Après, honnêtement, on s'est bien préparé. On va déterrer ça. Pour le replanter à côté de la base. Ah oui, mec, si tu peux... enlève des... déterre des buissons et tout ça pour les mettre à la base. Là, on commence à en avoir besoin, là. Ah, je regarde absolument que tu t'en fasses une. Je suis parti trade de la merde. Faire une putain de maison comme les cochons, c'est pas trop là. Tu sais qu'on peut, hein.
Ah ouais? Là, on peut faire une maison de cochon. Et pas seulement d'ailleurs. On peut aussi. Chiant, Ah, mais y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le jeu. Hein. Genre, je connais à peine la moitié du jeu. Hein. Après, je sais pas combien d'heures de jeu, je connais même pas la moitié du jeu. Quoi. Ça qui est bien. T'as toujours un truc à apprendre. Aïe, je meurs de chaud. Tu meurs de chaud? Aïe. Oula, oula. Il arrive quoi? Merde, mec, je meurs de chaud. Putain. Genre j'étais en train de faire du charbon, tu sais, je brûlais des arbres. Ah, il était resté trop près. Non, non, genre j'ai même pas brûlé, j'étais en train de prendre des dégâts de chaleur. Tu sais, c'est comme quand tu gèles l'hiver. Là, j'ai pris des dégâts de chaleur. Putain. Violent. Du coup, en charbon, on va être bien. Comment tu peux appeler ça une birch nut? C'est quoi en français ça? Une birch nut? C'est allemand ça, c'est pas anglais. Ouais, je pense. De son référence, je sais pas quoi. Tiens, je mets de la merde là, si t'en as besoin. Et moi, je vais chercher du bois. Ah bah quoi que j'en ai masse. Du coup, j'ai 10 de charbon, donc je vais faire un crockpot plus un étendoir à viande. L'étendoir à viande, je te jure, pendant l'hiver, c'est trop pratique. Sans ça, tu fais rien. Je vois ce que c'est. Hop, je voulais faire quoi? Oui, des planches. Du coup... Ah, on a toujours pas de peau de cochon, mec. Franchement, j'ai pas envie de tuer des cochons. Hein. Après, on peut le faire, mais... Alors là, on en a vraiment besoin des casques. Hein. Alors ça, on va les planter là. Merde, pourquoi je peux pas les planter? Ah, je peux que les mettre là. Mec? Ouais? Genre, le jeu la bug. Comment ça? Genre, j'ai fait un coffre, tu vois? Du coup, ça m'a cramé toutes mes ressources. Et fallait que je clique pour mettre mon coffre, tu vois? Et genre, j'ai cliqué, je suis allé vers l'endroit. Et genre, il s'est arrêté. Regarde, tu l'as dans ton inventaire. Genre, il est en bleu et tu l'as en stock, logiquement. Non, j'ai pas. Tu l'as pas dans structure? Non, ça a bugué. Ah, dans structure peut-être. Ah si. Bah si. Voilà. J'ai mal parlé du jeu. C'est genre, tu peux le fabriquer, mais t'es pas obligé de le poser tout de suite, tu peux le laisser stacker en fait des fois. Ah, je sais pas. My bad, j'ai mal parlé du jeu. Merde. Ah oui. T'as un truc? Ouais. Merde. Oh, le galérien. C'est tellement un moment de panique quand l'annuel tombe. On n'anticipe pas. Ah merde. Sale bête. Mec, aide-moi. J'ai ta rêve, c'est ce qu'on a ? Aide-moi. Non. Tu sais, c'est les mains qui éteignent le feu. Ah oui. Ça, c'est des mains, en fait, qui arrivent souvent la nuit. Et si vous les laissez atteindre le feu, elles vous bouffent le feu, en fait. Du coup, faut les repousser jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Pas trop loin. Ah bah, t'es obligé, hein. Si tu veux les faire disparaître, faut vraiment aller dans le noir. C'est des vraies saloperies. Moi, je me mets à côté de ta bestiole, tu vois. Ah, je peux récolter l'oiseau. Ah merde, mais non, je suis con. Pourquoi il s'est réveillé cet enfant? Merde. C'est un génie. Attends, mais putain, la birdcage, j'ai l'impression qu'il faut faire des trucs pour qu'il fasse des œufs. Hein. Peut-être. Attends, faut peut-être lui donner des trucs pour qu'il fasse des œufs. Vas-y, cherche. Je regarde. Ah non, il fait tout seul au bout d'un moment, logiquement. Par contre, si tu lui donnes un fruit ou un légume, il va te donner une graine du même fruit ou légume. Et ça peut être hyper important pour les... Si t'as un fruit qui est super puissant, genre le fruit du dragon. C'est genre l'aliment le plus fort du jeu. Ah, on a une pastèque. Avec la pastèque, on peut faire un truc pour l'été qui est pas mal, je crois. Hop là. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire moi? Ah voilà, c'est ça le truc de la... Oh, c'est quoi ça? Ah, une lanterne. Merde, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Dis-moi, j'ai de la pierre. Ouais. Tu veux faire quoi?
un croque-pot et un étendoir à viande. Ah oui, c'est vrai, le croque-pot, je vais le mettre à côté des frigos en fait, parce que c'est juste plus logique. Mais mec, t'as pas des brindilles, s'il te plaît. Si j'en ai plein. Pas oh, s'il te plaît. J'ai juste quelques trappes pour aller pêcher le lapin. Tu me les renvoies après. Ouais. Étendoir à viande. Ah bah tiens, j'en ai besoin. Hop là. Alors les étendeurs à viande, on va les mettre en bas. Bah écoute, on est pas mal, hein. C'est quoi? Bah franchement, on est bien. Hein. Bah je sais pas, le co-éléphant. Ah, faudrait faire le co-éléphant. Ouais, faudrait faire le co-éléphant. On se fait ça demain? Bah ouais. Oh merde, je suis en train de crever de faim. Je t'ai fait, il y a 7000 balles normalement. Ah nice, ouais. Niveau bouffe, on est correct. Tu gères. Ensuite. Ah merde, par contre, il y a des baies qui sont en train de se périmer, mec. Ouais, j'ai vu. C'est pour ça qu'il faudrait les utiliser. Tu sais quoi, je vais les combiner avec les autres. Oh putain, j'aurais pas dû. Bah, tu viens de pourrir les autres, quoi. Bah, genre, ça s'équilibre. Mais du coup, je vais faire plein de meatballs avec. Ah, mais non, on a pas de légumes. On a pas de viande. Les meatballs, ça marche avec les baies, mais c'est pour ça que je suis parti là, chasser du lapin. Ah merde, on a même pas de viande, quoi. Ah, là, on est mal. Hein. Non, ça va. Bah tu sais quoi, je vais faire plein de confiture. Hein. Franchement, la confiture c'est pas si dégueu que ça, tu verras. On va ranger ça. Ah par contre les bruits de bourdonnement entre les abeilles et le truc, ça me donne mal à la tête. Ah c'est horrible. Il y a trop de trucs qui bourdonnent partout là. Hop là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à ce jeu, n'empêche. Ouais, mine de rien. Ça faisait bien longtemps. Ça remontait avant les grandes vacances. Mmh. Non, mais avant de. Quand vous commencez ce jeu, c'est vraiment horrible. Quand vous connaissez pas le jeu. Bah, tu sais pas quoi mais faire. Vous souffrez tellement. Tu sais, on était. Putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça sort d'où ça? Tu vois un monstre, t'es. Ouais, c'est quoi ça machin? Genre après t'as le bon réflexe, tu t'approches même plus. Si c'est un truc que tu connais pas, tu mets pause, tu vas voir sur internet, tu t'approches pas. Et au début genre tu dis ouais c'est quoi ça, tu t'approches, tu te fais one shot, tu fais bon. Ma map est supprimée. Génial. J'ai 3 meatballs mec. Bah du coup j'ai fait une dizaine de confitures. Ouais, je suis en train de faire plein de confitures. T'as bien fait. J'ai 3 viandes du coup. Ce qui peut nous mettre bien. Les lapins mec ils dodgent mes pièges, c'est un truc de fou. Par contre, l'oiseau. Mais mec, la ruche, elle a toujours pas fait de miel. Franchement, là, ça m'inquiète. Hein. Mais c'est pas normal. Ben, l'oiseau, il aurait déjà dû faire un œuf et la ruche, elle aurait déjà dû faire un. J'avoue que ça fait masse longtemps en vrai. Du miel. Bah ouais. Merde, pourquoi ça marche pas? Je vais rajouter une fleur, on sait jamais. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Ah voilà donc j'ai mis 9 confitures. Je vais aller chercher un papillon vite fait. Du coup moi je vais faire des meatballs avec le peu qui reste. S'il vous plaît, un petit papillon. Le corn t'en as besoin? Le maïs? Non mais il y a une recette spéciale avec si tu veux mais je pense qu'elle est pas très bien. Je prends faire des meatballs, hein. Ouais, ce sera toujours mieux. Plus l'endroit où on s'est installé, il est pas trop mal, ça va. On est bien placé. Vas-y, y a pas un papillon là. Par contre, mec, c'est peut-être une question conne, mais j'ai rien à faire brûler cette nuit. Oh, j'arrive. Ah, si, regarde dans les coffres. Peut-être du bois, si c'est bon. Non, j'ai pris. Non, pas les graines. Non. Les. Tu sais les buissons épineux que j'ai pris dans le marécage. Je les ai pris exprès pour le feu. T'as mis ça dans quel coffre? On va voir. Buissons épineux, c'est lesquels? Ah, il tu vas reconnaître tout de suite. Et c'est hyper puissant par contre. Speaky Bush. Bon, ça brûle hyper longtemps.
Non mais y'a pas de papier encore. T'as de la viande à faire pendre ou pas? Parce que j'ai tout transformé en une boule en fait, j'ai pas réfléchi. Non j'ai pas de viande. À la prochaine viande que je chope, je me mettrai là-dedans. Par contre faut vraiment commencer à prendre des champignons. Ouais, je pense qu'on va pas déjà ça. Là je suis en train de déterrer des... Des greens. Des buissons. Allez, bute-moi ça. Hugo, ah. Il tombe, dépêche. J'arrive. J'ai chopé une viande de taupe. Ah, et moi, il va falloir ton machin parce que je commence à être taré. Je commence à avoir des monstres. Ouais, bah tu vas prendre la fleur. Et sérieux? T'es à combien? Bah, je suis à 80. Ah mec, t'as pas fait gaffe. Hein. Aïe, aïe, aïe. Putain mec, c'est violent ta truc, hein, pour le feu. Ah mais je t'ai dit, hein, c'est super fort. Oh merde, ma torche, elle est finie. Oh vite. Je commence à te tarer, moi. Ah, c'est chaud, là. Ah, ça passe, ça passe. Eh mec, t'aurais dû réagir avant, hein. Moi, j'ai pas vu, mais t'inquiète, ça se rattrape. Faut réagir super tôt, hein, quand tu deviens fou. Salut, ta merde. Déjà, prends la fleur. Vas-y, passe. Et demain, tu vas ramasser toutes les fleurs que tu croises, ok? Bah, je vais aller chercher ce champignon, demain, on a besoin. Ouais, bah, ramasse toutes les fleurs que tu croises. Tu veux quelque chose? Bah, j'ai une viande, je vais faire une meatballs avec... Tu peux la mettre à vendre? Non, ça servira à rien. Enfin, au final, on fera quand même une meatballs avec, donc... tu les vois les monstres autour, là, ou pas? Non. Ah, y'a que moi qui les vois. Ah si, là, j'en vois un. Là, un gros truc, là où je suis? Ouais. Ouais, je l'ai vu. Du moment qu'il t'attaque pas, hein, ça va. Bon, toi qui m'attaque pas, c'est bon. Niveau vie, tu veux que je te fasse un cœur ou pas? Je suis à 139. Si non, le cœur. Je peux t'en faire une. Les cœurs, il y en a déjà deux. Franchement, c'est bon. Mais en fait, faudrait faire un cœur avant de manger un truc qui redonne pas mal de vie, tu vois. Comme ça, on rentabilise. Ouais. À chaque fois que tu manges un truc qui redonne pas mal de vie, ou genre quand tu vas manger 2000 volts, tu vois. Oh mec, j'ai une de ces barbes. Moi aussi. Ah, je suis Michou. Eh, hey, hey, les jeunes. Bon, ça va, les jeunes. Moi, j'ai fait les deux guerres, hein. Eh. Hey. J'ai fait la guerre de 100 ans. J'ai fait... J'ai fait la guerre de 78, hein. Eh, hey, on rigole pas avec moi. Bon, attends, j'ai commencé à planter les bush. Ouais, mais le problème, c'est qu'on aurait peut-être pas dû faire la base sur de la pierre. Parce qu'on peut pas planter sur la pierre. Au pire, on se décale un peu à droite, enfin... Ouais, là je vais mettre à droite. C'est pas le pire. Bah écoute, je sais pas quoi faire. Et je ramasse des fleurs. Oh, des baies. Mec, je sais pas quoi faire. C'est la première fois que tu me dis ça dans le jeu. Ouais. Il y aura tellement de trucs à faire, mais. Bah non, en fait ça me panique un peu le truc qui fait pas d'œuf et attends, je vais regarder rapidement sur internet. Tricheur. Hein. Ah, faut lui donner de la viande pour qu'il fasse des œufs. Ah ouais. Merde. Il y a pas mal de blue mushroom, j'hésite à camper cette nuit. Merde, faut lui donner de la viande et tout. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Oh mec, on a un fruit du dragon. Ça c'est nice. En gros, le fruit du dragon, il vous permet de faire une tarte qui vous redonne... Enfin, c'est, je crois que c'est le deuxième aliment le plus fort du jeu. Je vais vous dire, ça vous rend 75 de bouffe et 40 HP. Donc c'est très très fort. Mec, ouais. Je suis à côté... Non, non, c'est bon, j'ai rien dit. Non, non, non. Pardon. Je crois que c'était porté à... C'est quoi, le dragon de fruit, je vais le filer à l'oiseau. On va prendre le risque. Mais pourquoi? Bah logiquement il me rend des graines... Ouais bon il m'en a rendu qu'une, donc c'était complètement inutile.
Pourquoi t'as gâché? Bah parce qu'en fait je crois qu'il y a une chance qu'il t'en rende deux. Et genre s'il me rend deux graines de trucs, bah c'est complètement worse. Ah peut-être. C'est normal que ton truc il soit en train de se taper par terre sur le sol. Ouais. Ah c'est bon, elle commence à faire du miel. Nice. C'est bon, c'est bon. Écoute, niveau santé, moi ça va beaucoup mieux là, je suis à 120. Ok. Je suis tranquille. On j'attends bon, un petit voilà. peu là, je suis en train de récolter des champignons mec. Alors mec, ouais, ce qu'il faut faire donc c'est explorer pour trouver des pots de cochon. Mmh. Ensuite, bah franchement, ah bah le coéléphant. Ouais le coéléphant. On a dit qu'on faisait ça. Ah je sais pas, ça quand? Demain. Ouais. Il faudrait prendre les. Ah tu sais quoi, je vais fabriquer des trucs pour celui-là. Est-ce que j'ai de quoi en fabriquer? J'ai du miel. Il me faut du papyrus. Merde, y a plus de papyrus. Genre j'ai tout utilisé. Ah, putain si j'ai tout utilisé. Faudrait que je retourne un coup dans le marécage. Hein. Peut-être que je pourrais te ramener une arme et tout. Ouais, et surtout on me ramènera du stuff. Ah bah sinon je peux faire des heals avec ça. Ah, j'ai peut-être faire ça. Écoute, je vais nous fabriquer des trucs pour nous heal pour le co-éléphant. Ouais, ça marche. Au cas où. C'est... Mais tu l'as trouvé en fait? Quoi? Tu l'as trouvé le co-éléphant? Non, non, non. On le cherchera demain. Tu rentres hein, ce soir? Ouais, bien sûr. I'm on the way. Tu rentres à 20h histoire qu'on puisse dîner avec les enfants? Bien sûr. Mec, c'est quoi toi? Non, mais tu te dépêches là. Ah putain, il me manque un truc pour fabriquer le heal. Ah. Putain, en plus, c'est genre la pire ressource du jeu, quoi. Bah, tu sais quoi, je vais la fabriquer. C'est genre un truc brûlé par terre, quoi. C'est la pire ressource du jeu. Un objet, des restes d'objets brûlés. C'est le truc, genre c'est de l'or, quoi. Ah, c'est ça. Okay. Hop là. Watch, je peux pas brûler. Non, mais c'est une blague. Ah, voilà. Voilà. Et voilà. Par contre, je pourrais faire que un heal. Du coup, on le filera à celui qui a tanké le plus. Je vais encore miner un voilà. peu de. Merde, j'ai mis ce clic. Non, tu manges pas ça. Guillaume, ça te fait parler sur un peu d'autorité sur les. Sur les oiseaux. C'est quoi cette pierre à moitié cassée là? Parce qu'au final, on n'a pas trop réfléchi, mais... Tu peux lui planter une graine, s'il te plaît, il y a un maïs. Qu'est-ce qu'il nous faut concrètement pour l'hiver? Il nous faudrait des doudounes, ça c'est avec le co-éléphant, et surtout il nous faudrait des chapeaux, là. Mais ça, mec, regarde le dernier coffre. Ah ouais, c'est vrai. Non, ça on les a déjà, ça c'est bien. C'est pour l'hiver. Attends, je vais te dire ce qui peut protéger d'autres du froid. Je vais prendre une petite pimples, moi, j'ai faim. Attends, je vais te dire, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous protéger du froid. Vas-y. C'est moi qui ai le spiky, ok. Merde, pourquoi il n'y a pas écrit là? D'habitude, il y a une liste. Attends, ça doit être dans Freezing. Ah merde! Quoi? Oh merde. Ouf. Oh mon gars, je nous ai sauvé la vie. Ouf, putain, j'ai mis ce clic à côté du feu en plus. Oh mec, t'es sérieux? Attends, en plus j'étais sur internet et tout. J'étais pas là. Tu sais que j'ai pris 20 de folie d'un coup. Sérieux? Ouais. Ah, je savais pas. Je savais pas que c'était aussi violent. Ouais, et du coup on va arrêter l'épisode là. Hein. Ah mais je trouve pas. Ah si, c'est là. Alors on a le. Donc au niveau des chapeaux on s'en fout. Après il nous faudrait une doudoune. Et sinon il y a les barbes, ouais. Donc on a tout en fait. Genre on a tout pour l'hiver là. C'est parfait. Et du coup, on va arrêter cet épisode ici. Demain, on part à la chasse au co-éléphant. Le co-éléphant de la muerte. Exactement. Ouais. Donc, j'espère que ça vous a plu comme avant. Si c'est le cas, vous nous lâchez un commentaire, vous nous lâchez un like comme d'hab. C'était Iron et Wimpy. On se retrouve pour la chasse au co-éléphant la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde. Salut.